I don't understand why you're taking off. First you say you love me, now you're breaking it off. You had me at a low and then you pass go and collected your grief. Easily it seems, oh. Tell me, did I do something wrong? Did you invite someone to this song? I don't wanna start by criticizing you, but since we don't talk, there's nothing left to do. À 20h, je me réveille, je ne mets pas le réveil. Alors, c'est quelque chose que j'avais vu chez Marie de Sleeping Beauty. Oh, Claire. En fait, je me suis aperçue, tout comme elle, que le réveil, ça avait quand même un impact sur le temps de ma journée, que ça pouvait être assez violent. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant le test que finalement, lorsque je ne mettais pas de réveil, je me réveillais naturellement 7h ou 8h après m'être couchée. Quelles sont les chances pour que j'écoute un podcast et qu'au moment où je filme, on parle de moi en direct? J'écoutais le nouvel épisode de Claire Mondret, de son podcast Slower Stories, sur lequel j'ai été invitée il y a 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'était le premier épisode solo de Claire, elle va faire des capsules et dans cette première capsule, elle donnait ses conseils, sa routine d'indépendante et ses tips pour vous aider à trouver la vôtre. Avec toute son organisation, c'est exactement le genre de contenu que j'adore. Je bois mon petit matcha, je prends mes compléments. J'ai pas changé de boîte, j'ai acheté les recharges, mais j'ai changé de cure parce que ça faisait 3 ou 4 mois que j'avais la même. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous savez que je travaille avec Cure sur le long terme, donc ils sponsoraient cette vidéo. Et je vous rappelle mon code promo, c'est Marie240, c'est mon lien de parrainage en fait, pour 30% sur la première commande. Et Marie2023, si vous êtes déjà client et que vous voulez bénéficier de 10%. J'ai changé de cure parce que vous le savez, j'ai l'eucalyptus qui me gratte la tête. Il faut changer tous les 3-4 mois, ça dépend vraiment des compléments. Et là, j'ai refait le test parce que cure, si vous ne connaissez toujours pas, c'est des compléments personnalisés, faits avec une équipe de scientifiques qui sont à 50% brevetés. C'est hyper qualitatif, très très efficace. C'est sourcé de manière durable dans les bons endroits, etc. Enfin bref, vous savez que je suis fan et que je leur fais entièrement confiance. Et donc il y a la possibilité de faire un test gratuit et même ensuite d'avoir un rendez-vous téléphonique gratuit avec un professionnel de chez Cure. Souvent je faisais mes cures à la carte et là je me suis dit tiens, ça fait longtemps, je vais refaire le test. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'ils m'ont conseillé des choses que j'avais totalement oubliées. C'est des sachets individuels hyper pratiques pour partir et puis il y a vraiment zéro plastique. Et donc dedans il y a ta cure. J'ai 4 compléments. En premier, ce que les experts m'ont conseillé que j'avais totalement oublié, c'est la vitamine B12 qui est fortement recommandée lorsque vous êtes végétarien et qui est absolument indispensable si vous êtes vegan. Elle est indispensable au bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux, et si vous êtes vegan mais que vous n'en prenez pas ou même végé, vous allez voir qu'en en prenant vous allez avoir un regain d'énergie incroyable. Ensuite, j'ai arrêté de prendre leurs compléments brevetés peau, ongles, cheveux. Il était formidable, mais il faut faire une pause au bout de 3-4 mois. Donc c'est pour ça que j'ai pris en substitution du zinc. Il y a beaucoup de zinc qui donne la nausée. Je me souviens lorsque j'étais au collège, lycée, que j'avais de l'acné et que je prenais du zinc que je trouvais en pharmacie. Horrible les nausées. Et celui-ci, vraiment, zéro nausée, hyper efficace. Je l'adore. Ensuite, le guarana, ça vient du Brésil et c'est excellent pour l'énergie. C'est fortement concentré en caféine, mais pas de la caféine qui va donner des palpitations. On a l'énergie sans le crash qu'on peut avoir aussi en prenant le café, pour donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost si vous vous sentez un peu flagada. Pour la sortie de l'hiver, en fait, on tombe souvent malade dans les transitions saisonnières. Donc là, on va bientôt passer au printemps. Il va y avoir des rhumes. Il va y avoir des bronchites, il va y avoir de la fatigue. Donc c'est pour ça que je me charge en bonnes énergies avec des compléments, des plantes et tout naturel. Et dernière chose, Carvi, hyper connue pour la bonne digestion. Voilà, c'est une plante hyper efficace. C'était mes petites explications hyper rapides, mais en vrai, il y a des études scientifiques pour chaque complément sur le site de Cure. C'est hyper intéressant. Je vous laisse sous le lien dans la barre d'infos. Encore une fois, Marie240 pour moins 30% pour votre première commande et ensuite Marie2023 pour moins 10% pour les commandes suivantes. On est le 3 mars, est-ce que vous vous rendez compte que ce bouquet date du 14 février? Alors je vous dis pas, il est quand même un peu fané, mais ça passe quand même. Je vais finir tranquillement mon petit matcha, je vais aller prendre ma douche, je vais m'habiller et nous allons aller chercher des bouquets chez Sébastien
pour pouvoir dire adieu à celui-ci et en acheter d'autres. J'ai trop envie d'acheter du mimosa. C'est la fin de la saison, j'en ai acheté qu'un seul bouquet, donc j'ai envie de jaune. Salut Seb. Hello. Comment ils vont? Ça va? Et eh ben voilà, mais ça donne envie, mais c'est vrai, c'est sympa. On a envie de planter les... Waouh. Là, on est bien. Alors, on va avoir eucalyptus, giroflé et du statis blanc. Ça, c'est la petite nouveauté. Ça y est, on commence dans le statis blanc. Et ça peut se faire sécher. Ça va très bien. Voilà. C'est pas mal. On est pas mal là. C'est bizarre, on dirait que ça fait comme s'il y avait de la fumée sur mon écran. Ah non, regarde, j'ai une branche. Regarde, vous avez... Ah, mais c'est pour ça. Regardez ces beaux bouquets. C'est fou de se dire que le bouquet de la Saint-Valentin a duré jusqu'à maintenant. Il a duré plus de 15 jours. Incroyable. Petit conseil, c'est une fleur. Il m'a dit, Sébastien, c'est le plus beau des caprices puisque ce sont des fleurs qui durent quelques jours seulement, mais qui sont absolument sublimes. Et alors, il y a deux, trois petites choses à faire. La première, c'est d'écraser les tiges comme il me l'a fait avec un marteau et ensuite de les laisser dans de l'eau tiède. Il paraît que ça dure plus longtemps. Est-ce que ça serait beau dans ce vase ou pas? Bof. Comme elles se suffisent à elles-mêmes, il faut un vase qui soit beaucoup plus simple. Je pense que ça serait sympa dans celui-ci. Beaucoup mieux. Très sympa, je vais mettre ça dans le salon, je pense. C'est vraiment le dernier mimosa de la saison. Mais il est quand même tellement sympa, Sébastien, quand j'y pense. Il est toujours de bonne humeur, toujours le sourire. C'est trop agréable. Mais voyez, cette relation avec les commerçants du quartier, je ne l'avais pas du tout à Paris. Même si ça faisait 7 ans que j'habitais dans la même rue, dans mon deuxième appartement, c'était l'immeuble juste à côté. Donc la seule personne avec qui j'avais une relation, des vrais liens, c'était la gardienne en fait. Parce que c'était la gardienne qui avait plusieurs immeubles dans la rue, Olivia. Sinon, je n'avais pas vraiment un lien comme ça avec les commerçants de mon quartier, bien que le 15e, ça fasse un peu village, vous voyez, c'est pas non plus le Paris. Mais c'est vraiment uniquement en arrivant à Lyon que j'ai trouvé, enfin j'ai vu une différence considérable. Et voilà, on ne voit même plus. Sébastien m'a offert un mini bouquet, ça serait cute là-dedans. J'ai pas encore jeté mon bouquet de Saint-Valentin. Il y avait tellement d'eucalyptus que je vais venir meubler un petit peu avec. Et voilà mon petit bouquet, trop mignon. Je me suis acheté des lunettes de soleil sur eBay. Oui, ça existe encore. En fait, j'ai regardé une vidéo YouTube qui datait de fort longtemps, une vidéo de Shay Mitchell, et elle avait un modèle de lunettes de soleil et j'arrive à voir sur les branches que c'est la marque Max Mara. Et je les trouvais trop stylées parce que le verre était un peu bleuté et elles étaient écailles. Et donc j'essaie de les trouver sur internet, je ne trouve pas parce que justement ça doit être un modèle hyper ancien. Et là je trouve pratiquement le même modèle mais qui conviendrait mieux encore à ma forme de visage sur eBay. Et donc je les ai achetées. Elles sont trop canons. Déjà, c'est arrivé dans le beau petit étui en cuir. Et voici les lunettes. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est les branches. Parce que comme c'est Max Mara, sur les branches, il y a un M qui est aussi le M de Marie. Si je mets sur un fond blanc, on voit que les verres sont bleus, mais ils sont bien bleus, quoi. Je les trouve trop stylées. J'adore aussi avec une queue de cheval basse. Qu'est-ce qu'on en pense? Vous aimez bien? En fait, elles ressemblent pas mal à mes Céline, mais je trouve qu'elles me vont mieux que les Céline. Regardez, les Céline, c'est celle-ci et la forme est légèrement différente. Elles sont un petit peu plus larges, les Max Mara. Donc pour mon visage, c'est mieux. Très contente de les avoir trouvées. Et en plus, c'est de la seconde main, donc trop cool. J'ai fait un très grand tri aussi dans mon dressing. Regardez, tout ça, c'est à vendre. Il doit y avoir au moins
40 pièces, même des petits ensembles mages et tout. Et puis encore tout ça, des pantalons, etc. Donc je vais mettre ça sur Vinted quand j'aurai le temps, je sais pas, peut-être fin mars. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Sleeping Beauty. Ce midi très sain, très simple, j'ai fait cuire des brocolis avec des pois mange-tout, des pois gourmands, un œuf pour les protéines et ça c'est la petite purée donc pour les glucides avec le pain que j'avais posté sur Instagram. C'est une purée gourmande à base de patates douces, potimarron, des petites noisettes, des champignons grillés, plein de choses. Allez voir sur mon compte Insta parce qu'elle est vraiment super bonne. Et pour William, la même chose, sauf que je lui ai fait un petit poulet pané. Voilà. Oui, mon petit compagnon. J'ai testé un petit peu contre mon gré le time blocking, mais de manière un peu trop extrême et j'ai pas du tout aimé. C'est la raison pour laquelle cette vidéo est un week-end vlog au lieu d'un weekly vlog, parce que je vous explique. Lundi, j'étais à 100% sur mon planeur, je n'ai fait que ça et d'ailleurs il est terminé à 96%. Toute la partie design graphique, etc. J'ai revu plein de petites choses. Vous voyez, par exemple, lorsque tu vas surligner un titre, eh bien, faire des bords un petit peu arrondis plutôt que très carrés. Enfin bref, ce genre de choses. Et donc, ça m'a pris vraiment toute la journée et voilà, j'ai fait que ça. Ensuite, mardi, je n'ai fait que des vidéos pour Instagram. Mercredi, je n'ai fait que monter la vidéo qui sortait le soir, que j'avais commencé un petit peu la veille, ajouter les sous-titres en anglais, etc. Je ne faisais qu'une activité de la journée. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était un time blocking, mais un peu à l'extrême. Et j'ai vraiment pas aimé parce que, la preuve, j'ai pas eu le temps de sortir ma caméra de vlog et j'avais vraiment l'impression d'être un peu dépassée, bien que j'avance énormément dans un domaine. Donc c'est Je pense pas que ce soit une technique qui me convienne particulièrement. J'entends tellement de personnes pour qui c'est hyper bénéfique le time blocking, mais ça me brûle trop d'énergie en fait. Ça demande une concentration extrême de rester sur la même tâche pendant des heures. Alors bien sûr, on peut faire la technique Pomodoro, de travailler une demi-heure, de faire une pause de 5 minutes, etc. En fait, j'étais trop fatiguée. On parle énormément de la fatigue physique, mais pas assez de la fatigue psychologique. Et le fait de rester concentré trop longtemps sur une même tâche, j'étais hyper fatiguée à la fin. Même si j'avançais énormément sur un sujet, j'étais pas plus fière de moi que ça parce que j'avais l'impression de délaisser les autres tâches. Et moi, vous savez, dans mon quotidien, j'ai l'habitude de travailler une heure sur quelque chose, ensuite je fais une pause, je fais un truc pour la maison, je reviens, je filme une vidéo, etc. Et mes activités dans la journée sont toutes très 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 variées, mes journées ne se ressemblent pas. C'est ce qui me plaît aussi, c'est le fait de diversifier mes activités. Dites-moi si, ce que vous en pensez, mais j'imagine que le time blocking efficace, ça doit être de rester peut-être 2 heures sur une tâche et puis ensuite on passe à une autre, parce que là, je l'ai fait pendant une semaine, un petit peu comme je vous le disais contre mon gré parce que j'avais des deadlines, etc. Mais je ne referai pas ça la semaine prochaine parce que c'est pas vraiment une organisation qui me convient. J'avais envie de faire un goûter, une pâtisserie au matcha, mais j'avais pas envie de cookies ou de brownies parce que j'en ai fait il y a pas longtemps. Donc on va faire des petites boules qui se mettent au réfrigérateur. Ça a l'air super sain, très bon. J'ai trouvé cette recette sur Insta, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc on commence avec un avocat. Si vous avez des avocats, trop mûrs. Tellement mûr que le noyau part tout seul. Un petit peu brun, etc. Les jetez pas. C'est exactement dans ce genre de recette que ça va être bien. Vous n'allez pas du tout sentir l'avocat en fait. Et plus il est mûr, plus il est facile à écraser. Ça ressemble au début d'un guacamole. Pas vraiment une petite pâtisserie sucrée. Ok, maintenant dans un bol,
vais mettre une cuillère à soupe d'huile de coco et je vais la faire fondre. Une cuillère de matcha, alors c'est un peu dommage d'utiliser du matcha cérémonie pour faire ça si vous avez le matcha classique d'Anatae ou... Je crois qu'elle l'a renommé, ça s'appelle plus le matcha culinaire, mais si vous avez le matcha classique, prenez ça. Je mélange les deux. J'ajoute l'huile de coco et le matcha mélangé à la préparation des avocats. Regardez comme c'est beau. Ensuite, j'ajoute une petite cuillère d'extrait de vanille, deux cuillères à soupe de sirop d'érable, coco râpé. Et là, je vais enlever mes bagues parce que je pense que je vais devoir le faire à la main. Je vais déjà commencer à mélanger comme ça. Et ensuite, on va former des boules. J'avais mal compris, la recette, c'est beaucoup plus de coco que ce que je pensais. Voilà, là, ça va mieux se tenir pour faire les boules. Maintenant, on va passer ça au réfrigérateur, le temps que ça se durcisse un petit peu avant d'ajouter le chocolat que je vais faire fondre. Alors, je sors les petites boules du réfrigérateur. Ça a l'air délicieux. Goûtons ça ensemble. Je vais déjà les installer dans une petite assiette comme ça. Regardez ça, sympa, hein? Trop bon. On dirait vraiment un bounty healthy. C'est délicieux. Essayez ça, c'est trop trop bon. Une souris. Ah ouais, trop bien. Bonsoir tout le monde, nous sommes samedi soir. Il est 19h49. Et ce soir, je suis toute seule. William est parti au ski avec son père et son frère pour une semaine. Il est parti tout à l'heure après le déjeuner. Et depuis, j'ai monté le vlog que vous avez vu, enfin la première partie tout du moins. Là, je m'apprêtais à me faire à dîner. J'ai envie d'une sorte de ramen en fait. J'adore le bouillon, j'aime tellement ça. Donc je vais faire un bouillon bien savoureux avec des petites nouilles, du tofu, des légumes, beaucoup d'épices. Vous tenez vraiment en équilibre sur le rice cooker. Je reçois trop de commentaires de gens qui sont énervés par le fait que William ne cuisine pas. Quand est-ce qu'il apprend à cuisiner, ton mec? Pourquoi c'est toujours toi qui fais à manger? On aimerait bien le voir cuisiner. Mais en fait, les gars, moi, j'aime trop cuisiner. Non seulement lui, il sait pas, c'est pas son truc, mais en plus, moi, j'adore ça. C'est une de mes passions. Aussi étrange que ça puisse vous paraître, pour certaines, j'adore cuisiner. Et regardez, même lorsque je suis seule, je me fais un dîner particulier. Et la raison pour laquelle vous me voyez pas tellement faire du meal prep, c'est que ça me dérange pas de prendre le temps de cuisiner pour manger quelque chose de différent. J'aime pas trop manger les restes ou heureusement, de toute façon, il y en a jamais vraiment. Mais j'aime trop manger des goûts différents. Et c'est pour ça que le meal prep, ça t'oblige à manger, on va dire, trois fois la même chose dans la semaine. Si vous avez du mal à cuisiner, vous avez un peu la flemme, quelque chose qui aide beaucoup, c'est déjà de tout préparer sur le plan de travail. En fait, c'est un gain de temps fou et vous n'avez pas à réfléchir à ce qui manque. Vous pouvez écouter votre podcast, être dans vos pensées, écouter votre musique, les sauces, etc. Comme ça, après, je suis un peu en pilote automatique. Et j'ai pas à courir partout, tout est là. Donc la préparation, c'est la clé. Et en même temps, voilà, je vous montre les ingrédients pour mon petit ramen. You're building trenches around your home.
Ah, c'est délicieux. Attendez, je vais envoyer une photo à William. Le bouillon est vraiment super bon. J'aime bien le céleri dedans, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. À chaque fois, William il me dit « Bon, quand est-ce que tu ouvres un restaurant, etc. ?» Je vais déjà me contenter d'écrire un livre de recettes un jour. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris rendez-vous le 14 février, donc la veille de mon anniversaire. Je vais aller choisir le papier pour le planeur, la couverture, les couleurs, etc. Vraiment toutes les finitions. Après la numérologie, j'ai écouté un podcast sur la sophrologie. C'était hyper intéressant aussi. Je trouve que Métamorphose, c'est vous qui me l'avez conseillé, ils ont toujours des invités et des thèmes tellement intéressants. La dernière fois, j'ai écouté un homme qui venait parler pour la promotion de son livre sur Thérèse de Lisieux. Je ne connaissais pas du tout sa vie. De cette sainte qui est avant tout une femme extrêmement forte, une guerrière avec une personnalité incroyable. J'étais en train de préparer le déjeuner et je sais pas pourquoi, je me suis dit vas-y, je lance ce podcast sur Thérèse de Lisieux. Et au final, j'ai adoré. Mais c'est une femme qui est morte à 24 ou 25 ans, je crois, elle a été emportée par la maladie. Une chose qui m'a marquée, Thérèse de Lisieux, il y avait beaucoup de religieuses qu'elle ne supportait pas, disons qu'elle n'aimait plus leur bruit de bouche, elle était très agacée, très très vite en fait. Et elle s'était dit, ok, pour chaque personne que je déteste, je vais faire preuve d'une extrême gentillesse. Par exemple, elle rentrait dans la cuisine et c'est une religieuse qu'elle n'avait pas vraiment, qui venait de mettre un bazar pas possible, tout était sale, etc. Eh bien, elle allait tout ranger pour elle. La cuisine allait être nickel et elle n'allait surtout pas dire que c'était elle parce que, bah, bien sûr, c'est une des bases de l'élégance et de la bonté de faire des choses sans attendre aucune reconnaissance en retour. Donc voilà, elle clinait toute la cuisine après la personne qu'elle n'aimait pas vraiment et elle disait même pas que c'était elle. Une sainte, vraiment. C'est extrêmement bon. Et voilà les amis, pour terminer la soirée, une petite infusion avec un snack comme ça, franchement trop trop bon. Plus tu le laisses de temps au réfrigérateur et meilleur c'est. Après là je l'ai fait au matcha mais on peut le faire je pense à beaucoup de goûts différents. J'ai terminé le livre sur la clairvoyance, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube mais je l'ai posté sur Instagram et j'ai adoré franchement. Je vous parlerai de quelques exemples qu'il contient dans la vidéo de mercredi, je vais faire une vidéo sur l'intuition, je vous ai dit que c'était un sujet qui m'intéressait vraiment et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet cette semaine donc ça me faisait envie d'en discuter avec vous dans la vidéo de mercredi et puis surtout de parler d'exemples très concrets pour savoir comment développer son intuition et deuxième chose, j'ai commencé ce livre-là plus jamais. Franchement, j'accroche bien dès le départ. Je trouve que c'est très imagé et on arrive tout à fait à se faire la scène en lisant le livre. Ça commence en parlant d'amour, ça me convient tout à fait, j'adore ça. Donc voilà les amis, ma petite soirée, je vais... Poppy, elle veut monter sur le canapé, mais elle a peur du trépied. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Viens mon petit cœur, saute. Ou j'espère que vous aurez apprécié ce week-end vlog. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis on se dit à mercredi pour la vidéo sur l'intuition. J'ai trop hâte de discuter de ça avec vous. Bye, prenez soin de vous.